Hey, salut à tous, comment allez-vous? Pour ma part, ça va nickel. Bienvenue sur la chaîne de Samoud87. Il fait beau, c'est l'été, on a envie de jouer, putain, et on a envie de buter du zombie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 en mode zombie sur la map Shadow of Evil. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit glitch AFK qui va vous permettre donc pas de forcément réaliser des manches, à mon avis c'est pas possible, mais surtout d'être invincible si vous avez besoin de vous absenter et que vous êtes en ligne et que vous n'avez pas forcément envie de jouer dans des glitches. Ce petit glitch AFK va juste vous permettre, donc comme je viens de le dire, de vous absenter si vous avez besoin de faire 2-3 bricoles à côté sans quitter votre partie. Voilà, donc on va voir ça ensemble tout de suite. Donc pour réaliser ce glitch, c'est très simple, vous allez devoir vous rendre comme moi dans la vidéo et au Waterfront District, vous allez ouvrir par le haut et il faudra impérativement avoir fait le bouclier si vous voulez le réaliser de la méthode que moi je vais le faire. Donc vous montez là-haut, vous faites une petite propulsion en visant exactement comme moi je le fais. Et normalement, si vous avez réussi la manipulation, vous allez arriver sur un petit ledge, sur un toit, comme moi dans la vidéo. Alors je tiens aussi à préciser que ce glitch est réalisable à l'aide d'une glissade ou d'un strafe jump. Le bouclier n'est pas forcément obligatoire, mais moi je le réalise comme ça car je trouve que c'est juste plus simple pour moi. Après voilà, chacun sa technique, faites-le vraiment comme vous sentez de le faire. Après le glitch en lui-même n'est pas très utile, juste si vous voulez vous absenter et vous n'êtes pas invincible pardon aux bêtes. D'ailleurs vous allez voir dans la vidéo qu'elles vont finir par me tuer car elles m'attaquent tout en même temps et je n'ai pas le masto et je ne suis pas armé pour les tuer. Et donc je vais me faire tuer, voilà. Bon, ceci dit, j'ai exploré moi le glitch pour voir s'il y avait des endroits dans lesquels les zombies pouvaient être attirés par moi. Et malheureusement, partout où je suis allé, vous allez le constater en regardant la vidéo, les zombies ne sont attirés aucunement par vous. Ils partent, on ne sait pas trop où ils partent d'ailleurs. Ils essayent de faire le tour, je pense, pour accéder en haut du pont, mais ils n'y arrivent pas. Donc voilà. Donc ce glitch est vraiment utile si vous devez vous absenter, encore une fois, pour aller manger, aller aux toilettes, ou si vous avez quelque chose à faire et que vous ne pouvez pas mettre pause et que vous ne voulez pas forcément glitcher d'ailleurs. Après, si vous trouvez des endroits où on peut accéder avec ce glitch et que moi je n'ai pas trouvé, faites-le moi savoir dans les commentaires de la vidéo. Quant à moi, je vais vous laisser sur cette petite vidéo. Je tenais aussi à vous préciser, alors certains l'auront remarqué, mais il y a des choses qui ont changé sur la chaîne, notamment l'intro. Depuis quelques vidéos maintenant, j'ai changé l'intro, donc pour l'instant personne n'est venu commenter par rapport à ça. Donc dites moi dans les commentaires de la vidéo si cette nouvelle intro vous plaît, tout simplement. Là j'essaye aussi un petit truc pour cette vidéo, c'est le petit overlay que je mets donc sur la vidéo. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un overlay, parce que même moi j'ai eu du mal à savoir ce que c'était, c'est le petit cadre en fait que vous voyez au-dessus de l'écran et en dessous de la vidéo, là où il y a écrit Samoud87 et abonne-toi à ma chaîne en dessous. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un overlay. J'ai cherché un bon moment comment faire pour mettre ça sur la vidéo, tout simplement en fait en tapant dans les recherches Google. Moi comme un con, je cherchais comment mettre un cadre sur ces vidéos avant de comprendre que ça s'appelait un overlay. Parce que désolé, mais moi je suis français, donc je cherche avec des mots français malheureusement. Je suis pas encore bien habitué à tous les logiciels de montage, etc. Donc en tout cas, dites moi dans les commentaires de la vidéo si l'overlay sur les vidéos ça vous plaît, ou si vous, au contraire, vous préférez que je n'en mette pas. Quant à moi, je vais vous laisser avec la fin de la vidéo. Je vais vous montrer un petit out of map avec la bête que j'ai découvert. Donc je sais pas du tout s'il y a moyen d'y accéder en tant qu'humain à l'aide d'un knife lunge ou avec l'épée. Donc dites moi dans les commentaires de la vidéo si vous avez réussi à faire quelque chose avec ce glitch. Quant à moi, je vais vous laisser, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vais passer d'ailleurs sur la One donc aujourd'hui. Donc je continuerai à être sur Allgen, ne vous inquiétez pas. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, parler un max de la chaîne autour de vous les amis, c'est très important pour m'aider à atteindre enfin la barre des 1000 abonnés. La vidéo FAQ devrait pas tarder à arriver, donc ça sera une FAQ spéciale 500 abonnés. Donc je ferai une vidéo spéciale pour que vous puissiez poser vos questions. Quant à moi, je vous dis à très bientôt les amis. Big up tout le monde.